Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Laurent Jeannot, journaliste à Alternative économique. Je suis chargé d'animer cette table ronde et on va discuter ce soir de la question des inégalités et plus largement de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les inégalités sont partout. Elles divisent, elles fracturent la société dans tout un tas de domaines. Et pour s'en rendre compte, il suffit d'aller sur le site internet de l'Observatoire des inégalités. Alors un petit peu de publicité, Louis, inégalités, donc au pluriel.fr. Et quand on va sur ce site, on se rend compte, il suffit de compter le nombre de rubriques en fait, qu'il y a sur le site. Je les ai comptées, il y en a 12. 12 rubriques pour traiter des inégalités. Alors ça va du revenu, de l'éducation, de l'emploi, lien social, conditions de vie, catégorie sociale évidemment, inégalité entre hommes et femmes, inégalité selon l'âge, les jeunes, les seniors, inégalité entre les Français, les étrangers, inégalité entre les territoires. Alors bien sûr, je ne vais pas vous passer en revue toutes ces catégories d'inégalités, sinon je risque de monopoliser la parole pendant une heure et demie, et ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter ce soir. Et si vous en voulez en savoir plus, donc, je vous recommande de consulter le site de l'Observatoire des inégalités, ou alors si vous êtes resté fidèle au papier, au bon vieux papier. On a publié un hors-série « Les inégalités en France », un hors-série poche « Alternative économique » en partenariat justement avec l'Observatoire des inégalités. Et alors vous avez de la chance parce qu'il me semble qu'il est en vente justement à l'entrée de cette salle. Donc vous pourrez vous le procurer et trouver toutes les données qui concernent les inégalités. Alors pour ce qui me concerne, je vais me contenter d'essayer de vous donner deux ou trois tendances un peu marquantes pour vous mettre un petit peu dans le bain de cette discussion. Alors évidemment, quand on parle d'inégalité, la première chose à laquelle on pense, c'est les inégalités de revenus. Alors oui, c'est vrai, en France, les riches sont de plus en plus riches, tandis que les pauvres sont à la fois de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus pauvres. Et les derniers chiffres publiés par l'INSEE sur la question le confirment. Mais il faut dire aussi que la France reste finalement un pays assez peu inégalitaire quand on le compare aux autres pays riches. Et cela notamment grâce à son système de protection sociale. Ce qui est surtout frappant par rapport aux inégalités de revenus, c'est l'explosion des inégalités de patrimoine. Et un seul chiffre, je ne vais pas vous bombarder de chiffres, mais un chiffre qui est vraiment frappant, c'est les 10% des plus riches possèdent presque la moitié du patrimoine, la moitié des richesses en France. Alors, ce qu'on peut noter aussi, par rapport à cette problématique des inégalités de revenus, c'est que depuis les années 2000, les riches ont bénéficié, en effet, de nombreuses baisses d'impôts, ce qui a contribué à accroître les inégalités. Mais s'il y a une spécificité française, à mon avis, en termes d'inégalité, elle ne se situe pas tant au niveau des revenus, mais plutôt au niveau de l'école. C'est vrai qu'en France, le système scolaire est très élitiste et inégalitaire. En gros, il forme une petite minorité de très bons élèves, qui sont souvent issus de milieux favorisés, quitte à laisser sur le bord de la route un grand nombre, en tout cas un nombre trop important d'élèves. Or c'est très important parce qu'en France, le fait d'avoir un diplôme ou pas est très discriminant. C'est ça en gros qui détermine l'essentiel des inégalités qu'on constate ensuite sur le marché du travail. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont un emploi et ceux qui sont au chômage, mais aussi entre ceux qui ont un CDI et ceux qui enchaînent les jobs précaires. Alors bref, en France, si on n'a pas de diplôme, pour le dire crûment, on est plutôt mal barré. Et le problème, c'est que la société n'offre que très rarement de seconde chance. Alors pour compléter ce rapide panorama, on peut aussi citer les inégalités hommes-femmes. Alors ça concerne le marché du travail. On sait que à temps complet, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes.
Ça concerne aussi la vie de tous les jours. Hein. Ce sont encore les femmes qui assurent l'essentiel des tâches ménagères, notamment les plus ingrates. Hein, généralement, les hommes, quand il s'agit de faire la cuisine, ils aiment bien faire la cuisine quand on reçoit des invités. Hein, c'est assez gratifiant. Par contre, faire la cuisine au jour le jour, ça les intéresse moins. Quand il s'agit de s'occuper des enfants, ils aiment bien jouer, faire les activités ludiques. Le reste, c'est un petit peu plus difficile. On pourrait aussi citer les discriminations dont sont victimes les étrangers et les immigrés, ou encore la ségrégation sociale que subissent certains quartiers. Bon, je vais m'arrêter là, hein, parce que au-delà du constat, on va plutôt essayer de réfléchir pendant cette table ronde à ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses. Alors, quelle égalité voulons-nous poursuivre ? Est-ce que l'égalité des chances suffit ? Est-ce qu'il faut privilégier des politiques sociales ciblées ou bien universelles ? Voilà, c'est autant de questions dont on va débattre ensemble avec les trois intervenants qui sont à côté de moi. Donc, nous avons au milieu Louis Morin, qui est directeur de l'Observatoire des inégalités, ancien journaliste à Alternative économique, et auteur du livre « Déchiffrer la société française » qui est paru en 2009, si je ne me trompe pas. À sa gauche, Camille Penny, qui est sociologue, spécialiste de la mobilité sociale, des questions de déclassement et des inégalités entre générations. Alors, Camille Penny, vous avez publié en 2009 aussi le déclassement aux éditions Grasset, et vous avez un autre livre qui est en gestation en ce moment, qui s'appellera « Le destin dans le berceau ». Desserrer l'étau de la reproduction sociale et qui paraîtra en février aux éditions du Seuil, hein, dans la collection de la République des idées. Et enfin, Gwenaëlle Calvest, qui est juriste, professeur agrégé des facultés de droit et spécialiste des politiques d'égalité et de lutte contre les discriminations. Et vous êtes notamment l'auteur de « La discrimination positive », publié dans la collection Que sais-je, et qui en est, si je ne me trompe pas, à sa troisième édition, hein, troisième édition qui date de 2010. Alors, pour attaquer ce débat, j'ai donné la parole à Louis Morin. On va essayer d'être un petit peu en phase avec l'actualité. Effectivement, donc le nouveau gouvernement dans le budget 2013, ça vous a pas échappé, a décidé de prendre un tournant rigoureux, on va dire, mais a décidé tout de même de faire participer les riches à cet effort de rigueur. Par exemple, la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu passe de 41% à 45%. Il y a aussi le taux d'imposition dont on a beaucoup parlé pendant la campagne, de 75% pour les revenus qui dépassent 1 million d'euros. Alors, Louis, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il faut taxer les riches ? Est-ce que c'est la meilleure solution pour réduire les inégalités ? Ce micro. Merci Laurent. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Champ Libre. Et je profite que tout le gratin de l'Alternative économique est là pour le remercier d'un soutien depuis 10 ans déjà de fondation de cet observatoire. Alors, sur la question, il y a deux questions, je pense, qui sont posées. Je vais essayer de répondre aux deux en même temps. Tu me donnes 5 minutes pour faire l'ensemble, 10 ? Ça va ? Il y avait deux questions qui étaient posées. Je vais répondre après aux riches, mais d'abord à la question de quelle égalité on veut promouvoir. Il y a deux façons de répondre, effectivement. C'est quelles sont les politiques publiques qu'on veut mener, les politiques publiques d'égalité. Je reviendrai après. Mais dans un premier temps, il faut déjà se poser la question du type d'égalité qu'on veut. En gros, l'égalité, mais l'égalité de quoi ? De quelle forme ? Alors là, on a eu beaucoup d'opposition, égalité des chances, égalité des résultats, ou des places pour parler comme François Dubé. Il y a un peu de littérature. Je vous invite à lire aussi « Repenser l'égalité des chances » de Patrick Savidan.
Au bout de quoi on arrive à se dire, ben, il faut bien sûr de l'égalité des chances entre les individus, mais c'est une fiction, c'est nécessaire, mais c'est une fiction, c'est-à-dire que c'est certainement pas suffisant, il faut se poser la question du système, de la structure globale dans laquelle s'exerce cette égalité. Alors, excuse-moi, Louis, pour être un petit peu plus précis, est-ce que tu peux expliquer concrètement en quoi consiste cette égalité des chances ? Alors, pour moi, l'égalité des chances, c'est l'égalité définie d'un point de vue individuel. C'est l'égalité, pour parler comme les économistes, d'un point de vue micro entre individus, pour parler des travaux de Camille Penny, la mobilité. Comment on regarde la mobilité, par exemple, la mobilité sociale entre individus et l'égalité globale, qu'on pourra appeler des places, pour parler comme Dubé, c'est l'égalité au niveau macro, et pour avoir la même référence au niveau de la société, c'est la hiérarchie. D'un côté, la mobilité des individus, d'un côté, la structure hiérarchique ou non de la société. À mon sens, en rester à l'optique micro, enfin comme en économie, en rester à l'optique micro-individualiste, conduit à une impasse. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut du soutien scolaire, mais on n'améliore pas l'égalité des chances à l'école, globalement, si on ne repense pas la façon dont se fait l'école. On peut reprendre cette image-là dans beaucoup de domaines. Je pense que, par exemple, l'égalité homme-femme, on n'améliore pas l'égalité homme-femme en se contentant d'apporter tout en haut des hiérarchies, à la fois politiques ou de l'entreprise, le maximum de femmes. Et si on travaille aussi, par exemple, sur la précarité, le temps partiel subi, etc. Et un sujet que Gwenaël connaît bien mieux, les discriminations est un sujet, bien entendu, central. Mais ça n'empêche pas de se poser la question des inégalités sociales qui frappent les personnes discriminées, etc., etc. On va venir bien entendu au comment, vers quelle politique, parce qu'à partir de là, la question qui se pose, c'est que faut-il faire ? Et comme vous l'avez compris, moi, ce que je défendrai, c'est des politiques globales et universelles, notamment à l'école, de refonte de l'école, mais par exemple aussi dans le cadre de l'entreprise. Hein, quels sont les droits, comment fonctionne ce système et quels sont les droits des salariés. En réalité, et ça, Camille le dirait bien mieux que moi, le micro et macro marchent ensemble. On sait très bien qu'il n'y a rien de tel que réduire le nombre de barreaux pour gravir plus vite une échelle. Et les pays où la mobilité sociale est la plus rapide et la plus forte sont ceux où la hiérarchie sociale, où la macro, où il y a une plus grande égalité globale de la macro. Alors bien entendu, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas s'en servir de façon aussi opposée pour dire réformons l'ensemble du système pour ne rien faire, mais attendons la grande révolution qui nous mènera au point ultime de l'égalité. Bien entendu que des mesures parfois ponctuelles peuvent aussi être utiles. Dans tout ça, quid de la politique fiscale ? À mon avis, le changement, c'est effectivement maintenant, c'est-à-dire qu'on a abandonné, le nouvel gouvernement a abandonné l'idée de réforme fiscale d'ampleur, et mon opinion, c'est que c'est fort regrettable. Alors bien entendu qu'il y a un changement par rapport à 2007, il ne faut pas oublier que 2007, c'était le RITS, le yacht et un paquet fiscal de 15 milliards d'euros pour les plus favorisés, donc là, il y a un véritable changement, mais le refus d'aller vers une transformation plus grande et, à mon sens, hein, l'idée d'avoir une sorte de courage politique, de demander un prélèvement généralisé, à mon sens, est une grande erreur politique pour la suite. Pourquoi je dis ça ? On le voit d'un point de vue politique, l'effet désastreux de mesures simplement symboliques dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois uniquement s'adresser aux plus riches des plus riches, avec un discours sur 90% de la population sera épargnée par l'impôt, alors qu'en même temps, on sait que c'est faux, puisque, contraint par la réalité économique, on met en œuvre des taxes qui parfois taxent les plus pauvres ou taxent largement, je pense en particulier à la TVA
qui viendra demain. Là, je crois qu'il y a un vrai déficit, justement, de réforme globale, de mise en œuvre d'une réforme fiscale. Je crois que peut-être qu'une erreur, ça a été de l'appeler une révolution fiscale. Mais enfin, l'idée de changer le système globalement, moi, je pense que c'est une erreur politique, une erreur économique, parce que de toute façon, les nécessités de financement du budget de l'État viendra, sauf si on croit sur une hypothétique reprise de la croissance. Mais en plus, je pense que c'est une erreur politique au sens où le fait de miser sur un effort largement réparti et assumé comme tel, en disant, ben voilà, et pour parler concrètement, une hausse notamment de la CSG qui aurait dû suivre les semaines de l'élection, à mon avis, était un moyen ensuite, par la suite, de légitimer les politiques de redistribution qui auraient pu être mises en place, de réduction de la dette, bien entendu, mais aussi de redistribution qui peuvent être mises en place par la suite. Voilà, donc par rapport à ça, je trouve que y a un certain manque d'ambition et de réforme structurelle du système fiscal. Alors, c'est-à-dire, juste pour rebondir là-dessus, en fait, l'idée, c'est qu'il ne suffit pas de taxer uniquement les riches, parce que de toute façon, ils sont trop peu nombreux, et il aurait fallu plus largement faire contribuer les classes moyennes supérieures à l'effort et l'assumer dans une grande réforme fiscale plus ambitieuse. Dans un certain sens, mon idée était de remplacer l'idéologie du travail sarkozienne sur travailler plus par gagner plus en espèce d'autre idéologie qui aurait été de mettons tous la main à la pâte pour essayer d'éviter la faillite fiscale et pouvoir continuer à répondre à des besoins sociaux qui existent. Et ça, pour moi, c'est complètement contradictoire avec l'idée qui a été largement diffusée de il faut préserver et notamment les couches moyennes d'une hausse d'impôts, tout en sachant qu'en pratique, c'est faux, c'est pas ce que l'on fait. Là, je crois qu'il y a une erreur à la fois de communication politique et puis profonde, quoi, de raisonnement économique qui est largement fondée sur l'idée que des prélèvements plus importants viendraient réduire très sérieusement l'activité, ce qui doit se débattre. Après, il y a la question qui a été posée aussi pour le débat, qui est la question de l'universalisme. Vous voyez que moi, je plaide pour en sorte de plus d'universalisme dans le prélèvement et encore. On pourrait débattre de la TVA versus la CSG, mais ça se reviendra peut-être ensuite. On sait qu'un des défauts de notre système, c'est d'à la fois avoir des politiques sous conditions de ressources importantes et puis à la fois des réductions importantes et des couches moyennes qui sont au milieu, qui peuvent se sentir, à tort ou à raison, parfois à tort, mais enfin, pénalisées et qu'on aurait davantage besoin d'universalisme en matière de politique publique d'égalité. Concrètement, c'est du logement, de la santé, des transports, etc., hors conditions de ressources. Maintenant, j'ai aussi une position aussi raisonnée. Hein, si on prend l'exemple d'une mesure qui a été débattue, qui est celle de l'allocation universelle d'autonomie, dans l'absolu, moi, je suis pour donner à tous les jeunes 800 ou 1000 euros pour qu'ils soient autonomes de leurs parents. Dans la réalité, en pratique, je suis contre, en tout cas aujourd'hui. Je me vois mal, compte tenu des circonstances fiscales actuelles, accorder un revenu à des jeunes dont les parents peuvent contribuer à leurs besoins. Maintenant, c'est un débat. Je pense que l'urgence dans ce domaine en termes de politique, l'urgence absolue, et je ne comprends toujours pas pourquoi, c'est l'adoption d'un RSA pour les moins de 25 ans. Où soit ils sont mineurs politiquement et on ne leur accorde pas le droit de vote, soit on leur accorde le RSA. C'est-à-dire que dans un contexte budgétaire assez serré, on ne peut pas se permettre de faire des politiques universelles et il faut cibler, il faut prioriser les dépenses. Et je comprends bien qu'il y a... Et c'est pas depuis maintenant, hein, c'est depuis la crise. Ralentissement des recettes et la tentation de parer
au plus pressé. Alors ça, c'est tout à fait compréhensible. L'effet des allocations logement, l'effet de toutes ces prestations sous conditions de ressources, je ne les remets pas en cause. Où c'est devenu abracadabrantex, pour parler comme Jacques Chirac, c'est le moment où on a eu des politiques destinées aux plus aisés, d'un côté, avec en parallèle de ces politiques les baisses d'impôts et ces politiques de sous conditions de ressources avec cette courbe en U au milieu. C'est là que c'est devenu un peu étrange. Mais bien entendu que cette logique de nécessité économique fait que ça rend plus difficile les politiques hors conditions de ressources. Maintenant, les politiques publiques concrètes comme la création de places d'accueil en crèche, les politiques de transport, les politiques d'éducation sont des politiques qui peuvent se faire avec un degré de conditionnalité de ressources qui est plus ou moins important. Et pour moi, c'est plutôt ces politiques-là qu'il serait d'urgence de favoriser. Bien entendu, dans le contexte budgétaire actuel, ce n'est pas simple, mais c'est aussi pour ça que je défendais tout à l'heure des hausses d'impôts dès le début du quinquennat, parce que certainement, il faudra supprimer des dépenses inutiles, et ça, on le fait, et pourquoi pas, mais je ne veux pas, a priori, si on estime qu'il y a des dépenses qui ne répondent pas à l'intérêt général, pourquoi pas les supprimer, mais les besoins en la manière sont immenses. Je pense aussi, par exemple, aux conditions de vie des personnes âgées dans les maisons de retraite. On parle beaucoup de la dépendance en 2040, mais aujourd'hui, il n'y a pas que l'accueil des jeunes enfants en crèche, etc. On pourrait, à mon avis, faire une somme des besoins au moins aussi importante que la somme des économies qu'on devrait arriver à faire sur les prélèvements obligatoires. Bon, c'est des questions sur lesquelles on va revenir. Je pense que vous n'êtes pas forcément tous d'accord entre vous, donc on va poursuivre le débat avec Camille Penny. Alors vous, Camille, vous êtes très critique avec le concept d'égalité des chances, que déjà Louis a critiqué un peu tout à l'heure. Quand on a préparé un petit peu le débat ensemble au téléphone, vous m'avez même dit qu'il y a une faillite totale de la politique d'égalité des chances à la française. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi, qu'est-ce qui tourne pas rond concrètement, et qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors pour paraphraser le sous-titre de votre livre, de votre prochain livre, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour desserrer les taux de la reproduction sociale ? Bonsoir à toutes et à tous d'abord. Oui, moi je voulais commencer par un constat en fait, qui est la force encore dans notre société de 2012 de la reproduction sociale. C'est quoi la reproduction sociale ? C'est le degré auquel votre vie dépend de votre naissance. C'est le degré auquel des enfants d'ouvriers restent ouvriers, des enfants de cadres restent cadres, des enfants d'enseignants restent enseignants, et ainsi de suite. Et un constat terrible est le suivant. En 2010, c'est les dernières données statistiques qu'on avait, il y avait 70% des enfants d'ouvriers qui sortaient de l'école depuis 2 à 3 ans, qui étaient ouvriers, comme leur père, ou employés d'exécution. Et puis à l'autre bout de l'échelle sociale, il y avait 7 enfants de cadres sur 10 qui restaient cadres, ou qui étaient profession intermédiaire. Et ce résultat est terrifiant dès lors qu'on le rapporte aux efforts d'éducation qui ont été faits dans le pays au cours des 25 dernières années. Au cours des 25 dernières années, les enfants d'ouvriers ont gagné en moyenne 3 ans d'études, ce qui est énorme, ce qui est très important. Et pourtant, la reproduction sociale n'a pas diminué, et pourtant, le destin des individus repose, pourrait-on dire, encore autant dans les conditions de leur naissance. Et ça, dans notre pays, l'instance qui est chargée de créer de la mobilité sociale, c'est-à-dire qui est censée permettre à des individus de changer de groupe social par rapport à leurs parents, c'est l'école dans notre pays. Et quand on fait des comparaisons internationales, notre système éducatif a deux caractéristiques qui sont totalement contradictoires. D'abord, on partage un triste privilège avec la République tchèque, c'est qu'on est le pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les résultats scolaires. Et deuxième caractéristique, on est le système éducatif dans lequel le diplôme que vous obtenez à l'issue de la formation initiale a le plus d'emprise sur l'ensemble de votre carrière. Pas seulement sur la possibilité d'être au chômage ou de trouver un emploi rapidement, mais sur l'ensemble de la carrière. Et donc, c'est ce que disait Laurent en introduction, tout dépend dans la société française du diplôme que vous obtenez à l'issue de la formation initiale, alors même que ce diplôme est obtenu
à l'issue d'une compétition scolaire, puisque c'est une vraie compétition entre les familles, qui est cette compétition socialement faussée, socialement biaisée dès le départ. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous savez qu'en France, on a la manie de l'évaluation des enfants dès qu'ils ont 3 ans. Et donc, on sait que les enfants arrivent au CP inégaux. Et on sait que les enfants de cadre et les enfants d'enseignants arrivent en CP avec un meilleur niveau que les enfants d'ouvriers, que les enfants de chômeurs, bref, que les enfants des classes populaires. Et comme on évalue les mêmes enfants 3 ans après, à la fin de l'école primaire, on a le résultat suivant. Non seulement les inégalités n'ont pas diminué, non seulement elles ne se sont pas stabilisées, mais encore elles ont augmenté. Donc on est dans un système éducatif qui, à aucun moment, n'est capable d'enrayer les inégalités. Alors, comment on l'explique ? On l'explique certainement par une partie de ce qui est fait à l'école élémentaire en termes de pédagogie. L'évaluation précoce, dans toutes les enquêtes PISA, on s'aperçoit que les pays dans lesquels les résultats sont les meilleurs à 12 ans sont les pays dans lesquels l'évaluation est la plus tardive. Mais comme je ne suis absolument pas un spécialiste de ces questions-là, je me garderai bien d'aller plus loin. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on est très mauvais en France sur le financement de l'école maternelle et de l'école primaire. On est plutôt très bon par rapport à la moyenne de l'OCDE sur le lycée. On est plutôt dans la moyenne au niveau du collège et de l'enseignement supérieur, mais on est 25% en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE pour le financement de l'école primaire et élémentaire, alors même que c'est ces premières années de scolarité qui sont décisives. Et donc on a un système éducatif qui est extrêmement élitiste, qui trie, qui oriente, qui classe très vite et qui ne donne pas de seconde chance. Un autre exemple ce caractère injuste du système éducatif et de son caractère élitiste, dans l'enseignement supérieur, tout le monde se moque vraiment des 700 000 lycéens professionnels, personne n'en parle, et toute l'énergie de la nation est consacrée à se demander « Mais mon Dieu, comment pourrait-on faire pour qu'il y ait 30% de boursiers dans les classes préparatoires ?» Alors les élèves, que, je me permets d'interrompre, oui. ça correspond à la moitié des lycéens, ces 700 000. C'est à peu près la moitié oui, des absolument, lycéens. Absolument. Et les élèves de classe préparatoire sont 70 000, sont 10 fois moins nombreux que les lycéens professionnels. Et donc, c'est comme si toute l'échelle sociale, enfin toute l'échelle scolaire était vermoulue. Imaginez une échelle totalement vermoulue, tous ces barreaux sont vermoulus. Et pour la consolider, pour recommencer à créer de la mobilité, on commence par réparer le dernier barreau. Le problème, c'est que le dernier barreau, quand il s'agit d'aller ou non dans une classe préparatoire, je pense à toutes les politiques de discrimination positive, type on va prendre 2-3 bons éléments méritants des lycées ZEP et on va les mettre à Sciences Po, je dis toujours que quand bien même on aurait, à l'issue de 3 siècles de discrimination positive, rendu Sciences Po aux couleurs de la France, on aurait réglé 4% du problème, puisque les grandes écoles, c'est 4% des étudiants. Grandes écoles et petites grandes écoles. Et que 96% des étudiants qui continuent leurs études le font dans les filières universitaires. Et par ailleurs, quand vous dites « je vais prendre les 2 ou 3 bons enfants d'ouvriers méritants dans les lycées de ZEP », vous oubliez le fait qu'il y a déjà quasiment 80% des enfants d'ouvriers qui ne vont pas au bac général. Aujourd'hui, on dit « on donne le bac à tout le monde ». Quand on regarde le taux d'obtention du bac général parmi les jeunes enfants d'ouvriers qui auront 18 ans au mois de juin, ce sera 20%. Voilà. Aujourd'hui, il y a 35% des jeunes qui ont 18 ans qui ont le bac général. Les autres, c'est des bacs professionnels ou des bacs technologiques. Et ensuite, quand on regarde les seuls enfants d'ouvriers, c'est 20% le taux d'accès au bac. Donc, c'est vraiment l'échec, c'est ce que j'appelle l'échec de la conception française de l'égalité des chances, qui consiste à proposer l'excellence à un tout petit nombre, dont quelques-uns issus des classes populaires particulièrement méritants, qui servent à jeter un paravent pudique sur la réalité de la reproduction des inégalités. Et on condamne tous ceux qui ont décroché précocement, tous ceux qui n'ont pas fait les bonnes filières, à des emplois précaires à vie quand il y a de la croissance, ou au chômage quand on est en période de récession comme aujourd'hui. Et donc, moi, ce que je propose, c'est de rompre avec ce système en faisant 2 choses. Premièrement, bien sûr, en rendant plus démocratique la formation initiale, en mettant le paquet, comme on dit, sur l'école élémentaire, sans doute en transformant une partie des pratiques pédagogiques, etc. Puis aussi, en faisant en sorte que tout ne dépende plus uniquement du diplôme initial. J'appartiens à une génération qui sait très bien qu'elle va devoir travailler un peu plus vieille que les générations précédentes. Et on ne peut plus dire, la société française ne peut plus dire que tout est joué à 20 ans,
Quand on va devoir travailler jusqu'à 65, 68 ou 70 ans, on ne peut plus dire que toutes les carrières dépendent du niveau de diplôme qu'on obtient à l'issue de la formation initiale. Donc une société moderne, pour moi, c'est une société qui considère qu'elle n'est jamais quitte avec son devoir d'égalisation des trajectoires après la formation initiale, et qu'il faut au contraire multiplier les moments d'égalité et multiplier les moments de formation. Alors comment faire concrètement ? Je ne dis pas que l'éducation initiale n'est pas importante. J'enseigne à l'université, c'est mon métier, je ne vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis. Mais simplement, je dis qu'elle est importante parce qu'elle est première dans l'existence des individus, mais elle ne doit être qu'un moment de formation. Alors voilà ce que je propose. Je propose qu'à 18 ans, ou en classe de terminale, la société française dise, voilà, nous sommes assez riches, et je reviendrai sur le financement tout à l'heure, nous sommes assez riches pour proposer à tous les jeunes, donc de manière universelle, 60 bons mensuels à tirer de formation. C'est ce qui existe au Danemark. Ça fait 5 ans, 5 fois 12 mois. Ça veut dire que vous avez 18 ans, vous êtes en terminale, la société française vous offre 5 ans de formation. Et évidemment, pour ne pas désavantager ceux qui ont quitté l'école avant 18 ans, ben ceux-là, qui seraient déjà sur le marché du travail, commencent avec un droit de formation, avec un droit de tirage de 60 mois de formation. Et puis ceux qui ne font que 2 ans d'études commencent leur carrière professionnelle avec un droit de 3 ans, puisqu'il reste 3 ans. Et l'idée, c'est vraiment de créer un droit à la formation initiale différée pour ceux qui ne sont pas nés dans le bon milieu, ou pour ceux qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, parce qu'après tout, à 20 ans, on a le droit de ne pas savoir ce qu'on veut faire jusqu'à 70 ans. Bref, pour desserrer le moment du choix et pour faire en sorte que tout ne soit pas figé trop tôt. Ça veut dire que dans mon idée, quelqu'un qui a commencé à travailler, qui se fait licencier à 38 ans, ben, il peut utiliser ses bons de formation pour aller apprendre un autre métier ou pour retourner aux études de manière générale. Alors moi, je pense que ce système doit être universel. Je pense que ce système doit être universel parce que vous savez que nous, les sociologues, on n'a pas la tête sur les épaules, donc on ne regarde pas les chiffres, on peut se permettre de ne pas répondre aux questions de financement, même si je vais y venir. Mais je pense qu'une société moderne, c'est une société qui dit, et une société surtout qui lutte vraiment contre la reproduction des inégalités, c'est une société qui dit, voilà, vous avez 18 ans, vous avez des devoirs et des droits, vous êtes un citoyen et un adulte comme les autres. Et la société vous fait confiance, et devenir adulte, devenir citoyen, ça ne dépend pas de votre naissance. Ça ne dépend pas du fait que votre père était notaire, avocat d'affaires ou ouvrier. Alors vous allez me dire, c'est particulièrement injuste, le contexte budgétaire est tendu, il faut faire des politiques ciblées, c'est pas normal de donner 600 ou 700 euros à des enfants dont les parents peuvent tout à fait contribuer. Alors juste deux arguments. Premier argument, si on faisait une vraie réforme fiscale et que le système était véritablement progressif et que ces enfants des classes, et que ces familles des classes supérieures payaient réellement un impôt à hauteur de leurs revenus, s'ils payaient plus pour ce dispositif que les autres, alors le fait que leurs enfants en bénéficient aussi serait moins injuste. Et puis, deuxième argument, beaucoup d'économistes ont montré que les allocations qui étaient le mieux acceptées et qui se dévalorisaient le moins étaient les allocations qui étaient universelles. Mais surtout, l'argument, c'est de dire que desserrer les taux de la reproduction sociale, devenir adulte, devenir citoyen, ne doit pas dépendre des ressources des parents. Et on a en France un système qui, sans le dire, fait reposer sur les épaules des parents, et plus précisément dans l'épaisseur du portefeuille des parents, la possibilité poursuivre ses études ou pas. Donc je termine juste en 30 secondes avec l'idée suivante, qui est en train de m'échapper, bien sûr, puisqu'il est tard, mais juste ce que je voulais dire, c'était que une société ne peut pas en avoir fini avec l'égalisation des conditions à l'âge de 18 ans. C'est pas possible. Et qu'il faut vraiment détendre ce temps de l'insertion où en France, il faut tout faire très vite, vite faire son bac plus 5, très vite, et puis ensuite galérer jusqu'à 28 ans en moyenne, âge auquel on obtient son premier CDI en moyenne, et puis ensuite à partir de 40, 45, 48 ans, être un salarié trop vieux pour avoir le droit à la formation tout au long de la vie. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, et je termine là-dessus en 10 secondes sur le financement, puisque, je vous donne juste deux exemples, Terra Nova, que vous connaissez sans doute, avec lequel j'ai souvent de nombreux désaccords, mais avait chiffré le montant de 4 ans, pas 5 ans, mais 4 ans, donc 48 bons, à 600 euros par mois, et avait chiffré le coût à 4 milliards par an pour l'État. Pourquoi seulement 4 milliards, entre guillemets ? Parce que ça suppose un certain nombre de redéploiements. Vous avez moins de dépenses à faire de formation professionnelle si vous avez mieux formé, et puis ça remplace une partie de la formation professionnelle. Par ailleurs, en France, les familles qui ont la chance de payer des impôts, après 18 ans,
bénéficient d'une demi-part fiscale si leurs enfants poursuivent des études. Ça veut dire que l'État donne de l'argent aux familles pour qu'elles donnent de l'argent à leurs enfants. Faisons comme les pays scandinaves, donnons directement de l'argent aux jeunes. Donc, vous supprimez la demi-part fiscale après 18 ans et vous donnez à la place des aides aux jeunes et vous gagnez un certain nombre déjà de marge de manœuvre. Donc, je pense que 4 milliards d'euros par an, dans un contexte budgétaire, allez, d'ici 2-3 ans, redevenu un peu plus neutre, ce n'est pas insurmontable et ce n'est pas beaucoup pour une vraie révolution culturelle. Ce qui est bien avec les sociologues, c'est qu'ils sont optimistes. Alors, Gwenaël Calvez, alors on va revenir à la question initiale de ce débat. Quelle égalité promouvoir? Et alors, d'après vous, en fait, cette question, on ne se la pose plus. La société ne se pose plus cette question de l'égalité qu'elle souhaite promouvoir. Alors, pourquoi? Merci. Bonjour à tous. J'ai effectivement souhaité m'arrêter sur le titre du débat, quelle égalité promouvoir. D'abord par défaut, parce que le sous-titre, l'explicitation de la table ronde porte sur les moyens, et moi j'ai pas de réforme aussi ébouriffante, enfin de proposition de réforme aussi ébouriffante que celle qui vient d'être présentée à vous proposer. Donc déjà par défaut, je ne pouvais pas rentrer trop dans le, enfin je pouvais pas rentrer vraiment sur le terrain des moyens à mettre en œuvre. Je travaille sur les politiques de discrimination positive, qui sont parfois présentées comme des moyens de lutte contre les inégalités ou contre les discriminations. Sur ces politiques, on pourra y revenir si vous voulez. J'ai surtout des critiques en fait à formuler, en tout cas telles qu'elles sont menées en France. Donc j'ai pu en extraire encore une fois une martingale ou une proposition de réforme à vous proposer, à vous présenter. Donc, en un sens, c'est par défaut que je reste centrée sur le titre, quelle égalité promouvoir. Mais c'est aussi plus positivement parce que c'est une question de fond et que on peut pas l'évacuer en se centrant uniquement sur des questions de moyens. C'est une question de fond parce qu'elle commande d'une part l'identification des inégalités. Le titre c'est « Face aux inégalités, quelle égalité promouvoir ?» D'accord, mais pour avoir identifié des inégalités, il faut déjà avoir une idée de l'égalité qu'on veut promouvoir. Donc en premier vient la question de l'égalité qu'on cherche à promouvoir. Et deuxièmement, le choix des moyens, bah, naturellement, découle de la fin qu'on s'est fixée. Donc, elle est première, cette question de l'égalité qu'on vise. Et je vous donne un exemple très simple de l'actualité juridique, parce que, comme ça a été dit, je suis professeur de droit un peu isolé dans ce lieu où il y a beaucoup d'économistes au mètre carré. Mais cet exemple, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'exemple des différenciations tarifaires en matière d'assurance entre les hommes et les femmes. Bon, c'est une différence entre hommes et femmes qui est décidée là par les assureurs, hein, qu'on ne constate pas dans la société. Elle est décidée par les assureurs. Par exemple, les femmes conduisant mieux que les hommes, on leur accorde une prime, on leur accorde une possibilité de payer moins cher leur prime d'assurance. Les femmes vivant plus longtemps que les hommes, alors là par contre c'est moins favorable pour elles, puisque dans certains pays de l'Union, on avait décidé que du coup leur prime d'assurance vie serait plus élevée. Qu'est-ce qu'on dit de cette inégalité, au fait de cette différence? Est-ce qu'on dit que c'est une inégalité? Ça se discute. Certains ont dit que non, pas du tout, c'est un principe de justice actuarielle. On tient compte de différences et on ne discrimine ni les hommes ni les femmes lorsqu'on institue ce type de différenciation. Eh bien, la Cour de justice de l'Union européenne a dit l'année dernière, en novembre 2011, que c'était une discrimination. Elle a dit ça pourquoi? En se fondant sur ce que le traité indique comme étant l'objectif d'égalité entre hommes et femmes. Donc il y a un objectif qui est fixé politiquement par le traité, et au regard de cet objectif, la différenciation tarifaire est jugée illégale. Cet objectif, c'est quoi? C'est l'indifférenciation entre les hommes et les femmes. L'idée, avec laquelle on peut ne pas adhérer, hein, mais l'idée qui est portée par la Cour, en se fondant sur le traité, c'est que notre horizon, notre objectif, c'est la dissolution du genre, ou la dissolution des assignations de genre. Comme salarié, comme assuré, comme consommateur, nous ne devons plus être ni homme ni femme. Voilà, c'est ça l'objectif. Mais vous comprenez bien que si cet objectif n'a pas été préalablement fixé, on n'identifie pas l'inégalité de la même façon et on n'en tire pas non plus les mêmes conclusions. Donc l'idée, avant tout diagnostic, avant toute préconisation, il faut savoir quelle égalité nous voulons promouvoir.
Or ça, c'est une question intrinsèquement politique, au sens où elle engage des choix collectifs, des choix de société. Est-ce qu'on vise l'égalité? Louis Morin a fait une rapide énumération. Hein, l'égalité des conditions, l'égalité des chances, l'égalité de traitement, l'égalité des droits, l'égalité des possibles, l'égalité, l'égal respect des individus ou des groupes. On peut vouloir tout ça en même temps, mais en même temps, après, il va falloir le hiérarchiser. Il va falloir hiérarchiser ces différents types d'égalité qu'on poursuit. Ou alors, quand elles entrent en conflit, il va falloir les concilier entre elles. Donc, la question, elle est capitale, la question de du type d'égalité qu'on vise, et elle me semble, et c'est ça que je suis venue dire, elle me semble escamotée, cette question. Elle me semble escamotée dans le débat public. On sort quand même d'une campagne électorale où, à moins d'avoir été particulièrement distraite, j'ai pas eu le sentiment que c'était une question explicitée dans toutes ses dimensions. Elle est évacuée, en quelque sorte, cette question. Elle est vidée de sa dimension politique sous l'effet de deux facteurs que je voudrais envisager l'un après l'autre. Il me semble que, d'abord, premier facteur, on a technicisé le débat. Le débat sur l'égalité devient un débat d'experts, et donc ça le dépolitise ipso facto. Et le deuxième facteur, me semble-t-il, pour cette dépolitisation de la question de l'égalité, c'est qu'on polarise, on tente à polariser la réflexion sur les individus. Alors, la distinction micro-macro, elle a déjà été, envisagée à plusieurs reprises, mais j'aimerais donc y revenir parce qu'il me semble que cette individualisation, même cette psychologisation à certains égards de la question de l'égalité, joue au détriment de sa perception comme question politique. Donc d'abord, sur l'approche technicienne, je crois qu'il y a un poids démesuré qui a été acquis par les économistes d'une part et par les juristes de l'autre. Donc ça devient une question économique ou ça devient une question juridique. Bon, la question économique, je n'ai pas besoin de développer, chacun voit bien le poids des économistes dans les débats sur les inégalités. Ça fait des questions techniques, alors là je parle vraiment comme quelqu'un qui est nul en éco. Donc je suis bien placée pour dire qu'il y a plein de choses qui m'échappent, je comprends rien à ce qui se dit, je suis une citoyenne attentive, j'y mets de la bonne volonté, j'ai par ailleurs un niveau de formation convenable par ailleurs, mais il y a plein de choses qui m'échappent, et pourquoi? Pourquoi serais-je exclue de la discussion? Donc il y a une technicisation qui exclut de fait un grand nombre de citoyens, et puis surtout, plus grave, qui frappe d'illégitimité tout argument qui ne serait pas moulé, coulé dans les formes de la discussion économique. Je vous prends un exemple dans mon champ, qui est le champ de la lutte contre les discriminations. Avant, on disait une discrimination, c'est un délit, ou une discrimination, c'est une atteinte à la dignité de l'homme, ou à une égalité principielle des hommes entre eux. Bref, on était dans un registre moral ou dans un registre répressif, hein, de protection de l'ordre public. Depuis une dizaine d'années, on nous explique que la discrimination, c'est une perte de productivité pour les entreprises, que les entreprises qui discriminent, qui se livrent par exemple à des discriminations racistes ou sexistes, sont des entreprises qui ne tirent pas les dividendes de la diversité. Bon, et si c'était faux? Moi, je pense que c'est faux à plein d'égards. Hein, je pense vraiment qu'il vaut mieux recruter un garçon de 30 ans qu'une fille de 30 ans. Il faut être lucide, il faut dire la vérité quand même. Donc ça sert à quoi pour toutes les raisons qui sont liées à toutes ces affaires de grossesse, etc. Bon, voilà. Donc à quoi ça sert de dorer la pilule, si je puis dire, aux employeurs en leur disant non, vous allez voir, la non-discrimination, c'est une technique de management du feu de Dieu qui permet d'optimiser les ressources humaines. Donc c'est un exemple parmi mille autres du primat de l'approche économique des questions d'égalité. Deuxième technicien qui sont à l'œuvre dans le débat sur l'égalité, ce sont les juristes. Et là, donc, je balaye devant ma propre porte. Hein. Les juristes avec, justement, ce mot discrimination et cette thématique de la discrimination qui a quand même très largement éclipsé la réflexion sur l'inégalité ou les inégalités. Aujourd'hui, on ne parle que de discrimination. Depuis facilement une dizaine d'années, le discours de la lutte contre les discriminations a recouvert ou opacifié ou troublé le discours sur les inégalités.
Le problème, c'est que donc, la discrimination, c'est une différence de traitement qui repose sur un fondement arbitraire, illégitime, injuste. Par exemple, les discriminations sur le fondement du sexe, du handicap, de l'origine. Le problème, c'est que cette injustice de la discrimination, elle ne s'évalue que toute chose égale par ailleurs. On discrimine à l'égard d'une femme quand elle fait le même travail qu'un homme, un travail de même valeur, et qu'on la paye moins. Ça, c'est une discrimination. Mais on raisonne toute chose égale par ailleurs. Donc, le raisonnement en termes de discrimination, c'est un raisonnement qui évacue tous les aspects structurels qui pèsent sur une différence de situation. On fait comme si et c'est délibéré, il y a même des techniques de raisonnement particulières à ça, on neutralise toutes les différences. Je vous donne un exemple que j'ai trouvé dans l'excellente publication d'Alternatives économiques hors série Le temps des femmes en novembre 2011, qui était vraiment très, très instructif, enfin, moi j'ai appris plein de choses en tout cas, et il y a l'intervention de deux économistes pour le coup, Dominique Meurs et Sophie Ponthieu, qui rappellent, et j'ai été frappée du petit lapsus que vous avez commis tout à l'heure à ce propos, qui rappellent qu'il y a effectivement 25% d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, pas seulement salariés d'ailleurs, je crois, en incluant le secteur public. Mais ces 25%, c'est pas une discrimination, c'est une inégalité. Quand on veut raisonner en termes de discrimination, c'est-à-dire qu'on neutralise toutes les différences structurelles, qu'on raisonne à qualification égale, à type de poste égal, à temps de travail égal, on n'arrive plus qu'à 5%. La discrimination entre les hommes et les femmes en matière salariale, c'est 5%. L'inégalité, c'est 25%. Alors, c'est pour vous dire que quand on raisonne en termes de discrimination, on a vraiment la pointe émergée de l'iceberg, et une petite pointe. Vouloir tout voir à la lumière de la question de la discrimination, ça nous empêche de voir plein de choses, et notamment les inégalités plus diverses, c'est-à-dire que la technique de la discrimination, dans sa rusticité, a un peu de mal à saisir. Donc voilà pour le premier facteur, la monopolisation peut-être pas, mais enfin l'investissement excessif des juristes et des économistes dans ce débat. Et mon deuxième facteur que je voulais évoquer, de dépolitisation de la question de l'égalité, c'est le resserrement de la focale sur l'individu. Le renoncement à une approche macro, si on veut dire ça comme ça. Cette approche, ce resserrement de la focale sur l'individu, il y en a deux manifestations qui me semblent particulièrement saillantes, même elles sont complètement indépendantes l'une de l'autre, hein, ces deux manifestations. La première, mais Camille Penny en a beaucoup parlé, donc je vais passer vite, c'est la promotion du thème de l'égalité des chances. Bon, cette promotion qui a été spectaculaire, hein, au début des années 2000, à la fin des années 90, le thème de l'égalité des chances, on peut le montrer assez facilement, a éclipsé, enfin écarté du débat, oui, si on peut dire, le mot d'ordre d'équité, qui était assez présent dans un état antérieur de la discussion, l'équité dans l'accès aux services publics, l'équité dans les prestations sociales. Et quand on raisonnait en termes d'équité, il y avait plein de problèmes dans ce discours autour de l'équité, mais quand on raisonnait en termes d'équité, on posait le problème en termes de transfert, en termes de solidarité. On se plaçait sur un plan général. De même, la question de l'égalité des chances a supplanté l'objectif de lutte contre les exclusions. Bah, même remarque, hein, quand on raisonnait en termes d'exclusion, on se plaçait sous un angle macro, il y avait les inclus, les exclus, les mécanismes d'exclusion, etc. Donc avec le thème de l'égalité des chances, qui d'ailleurs, c'est peu connu, mais au plan juridique, apparaît pour la première fois dans la loi Abi en 1975, qui concernait le collège, et qui apparaît dans un contexte où il s'agit justement d'individualiser la prise en compte de l'élève. Donc il y a une logique réelle hein, dans ce parcours de l'égalité des chances, depuis 1975 quand elle apparaît, puis après dans son parcours triomphant au détriment des autres concepts d'équité, de lutte contre les exclusions, etc. Avec l'égalité des chances aujourd'hui, le paradigme qui est sous-jacent à cette exaltation de l'égalité des chances, c'est celui de la course d'obstacles. Hein, ça a été bien montré par Patrick Savidan dans le livre auquel faisait allusion Louis Morin. La course d'obstacles dans laquelle nous sommes tous engagés, comme individus, nous ne partons pas avec les mêmes dotations initiales, donc les politiques d'égalité des chances vont essayer de rectifier un peu notre point de départ
instaurer une sorte de course à handicap afin d'équilibrer les chances sur la ligne de départ. Mais dans la course au diplôme, par exemple. Mais on institue une course à handicap sans changer les règles de la compétition. Ça reste la même compétition. Elle est pas, on n'interroge même pas les règles de la compétition. L'exemple des ZEP dont parlait Camille Penny est particulièrement symptomatique. L'exemple de la filière ZEP à Sciences Po. On a fait une petite filière d'accès dérogatoire pour accéder à Sciences Po, mais surtout sans interroger les mécanismes qui faisaient que pour accéder à Sciences Po, notamment la maîtrise de l'anglais quasi parfaite, les mécanismes qui donc faisaient qu'on accède à Sciences Po sur un fondement très discriminant au plan social. Donc, et ça c'était au nom de l'égalité des chances. Bah oui, donc centré sur l'individu. Dernier point sur cette approche subjectivée, subjectivante, individualisée qui mine la réflexion sur l'égalité, c'est, alors je ne sais pas très bien comment la qualifier, une espèce de subjectivisation du droit à l'égalité. Il y a ce thème selon lequel être égaux dans une société, c'est être également respecté, également reconnu. Également considéré. On l'entend beaucoup, cette thématique du respect, du manque de respect, qui est sans doute extrêmement importante, hein, mais qui donc se déroule sur un tout autre terrain, qui est celui des symboles, celui de la parole. Si je prends quelques exemples dans le cas français, mais c'est dans toutes les sociétés développées, vous avez des lois qui interviennent pour reconnaître publiquement le génocide arménien, pour reconnaître, ça c'était 2001, pour reconnaître que la traite négrière a constitué un crime contre l'humanité, ça aussi c'était en 2001, pour reconnaître au sein du peuple français les populations d'outre-mer, pour 2003, pour reconnaître les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, ça c'est en 2005. On n'arrête pas de reconnaître parce qu'il y a une demande, effectivement, qui s'adresse aux politiques de réaffirmer une dignité bafouée ou de manifester un respect dû à différentes formes d'identité collective. Donc là, il y a une articulation entre le discours de l'identité et le discours de l'égalité, une articulation qui demande à être pensée, qui se manifeste de manière très diverse. On vient de voir, là, par exemple, sur la question de l'islamophobie, des responsables musulmans qui se sont tournés vers les pouvoirs publics pour dire « nous voulons une affirmation symbolique du fait que ça vous importe, vous trouvez ça grave l'islamophobie et vous allez nous protéger ». C'est purement symbolique ça, parce que de toute façon la loi elle est là, les responsables en question ne demandent pas une modification de la loi. Donc il y a une politique des identités qui se met en place, qui apporte une forme de réponse à la question de l'égalité, mais qui demande à être articulée à une approche plus globale. Et donc moi c'est là-dessus que je terminerai. Je pense que la vraie question, avant celle des moyens, avant tout autre, c'est avant celle des diagnostics, c'est celle de savoir ce qu'on veut comme société juste, quelle idée de la justice nous avons. Et ça, c'est ni une question pour économistes, ni une question pour juristes, c'est une question pour citoyens. Eh bien, merci, et justement... On va permettre aux citoyens, ou en tout cas au public ici, de participer à ce débat et de s'emparer de cette question. Quelle égalité on veut promouvoir? Alors, est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas très bien. Hein? Alors, oui, monsieur. Oui, bonsoir. Vous n'avez pas parlé de l'apprentissage. Je crois que... qu'il n'y a pas assez d'apprentis, comme par exemple en Allemagne, je crois. Donc, il y a l'orientation professionnelle qui est en cause. Et puis, je crois qu'après le bac, il y a beaucoup d'étudiants qui décrochent au niveau études universitaires. Je crois qu'il y a la moitié qui décroche après la première année, je crois. Et donc, il y a une mauvaise orientation aussi, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui s'orientent dans la psychologie, alors que c'est un domaine saturé. Et alors qu'on aurait besoin, je sais pas, de boucher, de charcutier ou dans la matière du bâtiment, je crois, ou dans d'autres domaines, je crois. Donc il y a une mauvaise orientation, je crois, des individus. Et puis donc il faudrait revoir l'orientation aussi d'une manière générale. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On va prendre quelques. Oui. Alors au milieu là, deux bras levés. Monsieur d'abord et ensuite Madame juste derrière.
Bonsoir. Je voudrais rebondir sur la question de monsieur, parce que ma question était un peu identique. On veut combattre l'élitisme de l'éducation. Donc certes, l'État doit jouer un rôle là-dedans. Moi, ce qui m'agace à chaque fois au mois de juin, c'est qu'on valorise, les médias valorisent toujours le bac, avec le fameux sujet de philosophie, le fameux sujet de français. Alors moi, ma question, c'est, si on veut combattre l'élitisme, pourquoi les médias, ne revalorisent pas tous les métiers professionnels, ne revaloriseraient pas ce que monsieur présentait. Moi, je pense que notre société a besoin de tout le monde. Et je pense qu'on a tout autant besoin du plombier qui va venir réparer votre fuite chez vous que d'un économiste, que d'une juriste ou que d'un sociologue. Merci. Oui, j'ai été très étonnée de l'absence du mot de rareté dans votre discours et dans vos analyses. Pour moi, c'est la rareté, soit d'un bon métier, alors à définir, d'un appartement qui fait, ou de terre constructible, ou d'alimentation, qui fait les inégalités. C'est-à-dire que quand il y a des ressources rares, forcément, il y a un combat qui se met en place. Et celui qui va obtenir ce bien rare, alors ça peut se faire sur la base du diplôme, de l'origine sociale, du piston, de la force militaire, etc. Et je pense qu'une des solutions à ce problème d'inégalité, c'est de penser, de repousser les limites de la rareté. C'est un vrai problème pour les économistes, parce que d'après moi, c'est quand même le rôle social des économistes de trouver des solutions pour repousser les limites de la rareté. Et par rapport aux emplois, par rapport aux diplômes, on a bien vu dans les années 50 et 60, lorsque l'emploi, entre guillemets, était assez abondant, en particulier lorsque les entreprises manquaient de techniciens ou d'ingénieurs, on acceptait tout le monde. C'est-à-dire que dans l'entreprise, on recrutait un technicien volontaire et on le formait pour devenir un ingénieur. Et aujourd'hui, il y a suffisamment d'enfants d'ingénieurs pour être ingénieurs et il y a un blocage qui se fait. Et même si on distribue des diplômes à tout le monde, il y aura toujours, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de diplômés, il va y avoir une sélection qui va se faire. Alors elle peut se faire sur le diplôme, sur le rôle de papa-maman, sur on appelle le Premier ministre ou on use de la force, mais de toute façon, la nature ayant horreur du vide, il va toujours y avoir un conflit et des inégalités qui vont se mettre en place. Merci. Une autre question ? Oui. Bonjour, je voulais demander simplement aux trois personnes, donc, qu'est-ce que vous pensez des travaux d'Amartya Sen, si vous connaissez, donc, qui prône l'égalité de ce qu'il appelle les capacités, c'est-à-dire de ce que les individus aient le même pouvoir d'accomplir des choses. Un homme et une femme, il dit c'est pas pareil, pour reprendre l'exemple, mais il prône que les deux aient le même pouvoir d'accomplissement. Par exemple, un ouvrier... il y a un enfant de cadre, ils n'ont pas forcément les mêmes capacités, mais qu'ils aient tous les deux les mêmes possibilités que les contraintes sociales qui les empêchent de faire les mêmes choses soient effacées, en considérant aussi bien que les individus ne sont pas tous égaux, en fait. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces travaux et de cette pensée ? C'était ça la question. On va prendre encore une question et puis on va commencer à répondre. Bonjour. Alors moi, je voulais parler à propos de l'égalité des chances dont on parlait tout à l'heure. En fait, vous prenez en quelque sorte l'égalité des chances, c'est-à-dire l'égalité d'accéder à un groupe social autre, supérieur, entre guillemets. Est-ce que vous prenez pas l'égalité pour l'inégalité ? Enfin, l'égalité des chances pour arriver à un statut supérieur. Et donc, c'est toujours l'inégalité. Fin... Du coup, ça revient à la question, d'un point de vue individuel, si on arrive à monter les strates sociales, c'est au détriment d'autres personnes et ça perpétue les inégalités, c'est ça ? Pas vraiment. Disons que on prône l'égalité des chances. C'est-à-dire l'égalité en matière d'ascension sociale, mais ça répond en aucun cas aux inégalités, du coup. C'est ça. Est-ce que,
Excusez-moi si je peux prendre la parole, je crois avoir compris ce que la jeune fille voulait dire. Je crois que... la question c'est, est-ce que lutter contre les inégalités, c'est pas au final légitimer très fortement les inégalités en fin de course qui peuvent être encore plus grandes que celles précédentes? Est-ce que je suis clair? Alors, on va encore prendre une ou deux questions. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que le fait justement d'évoquer la reproduction sociale la produit elle-même en fait? Parce que le fait de toujours évoquer des statistiques, que les cadres deviennent des cadres, les ouvriers deviennent des ouvriers, ça ne met pas cette idée-là dans la tête des jeunes et ça ne les empêche pas de faire ce qu'ils veulent vraiment finalement. Une dernière question peut-être ? Oui, ici, là. Là. Suite à ce qu'a dit Madame Calves, pourquoi ne pas avoir intitulé « Face aux inégalités, quelle équité promouvoir ?» et non pas « Quelle égalité ?» qui est un terme beaucoup plus économique, justement. D'accord. Alors, je vais peut-être donner, pour répondre à ces questions, d'abord la parole à Louis Morin, parce qu'il est en train de prendre, il nous quittera peut-être avant la fin de la table ronde, donc je l'excuse par avance. Donc, plusieurs types de questions, comment repousser les limites de la rareté, voilà. Mais je laisserai aux scientifiques de la table ronde le soin de répondre aux questions scientifiques et complexes. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est la remarque de la jeune fille et du monsieur après sur le discours sur les inégalités. Parce que notre discours à tous les trois a été exactement de dire ça. C'est-à-dire de dire que derrière l'égalité, on pouvait masquer les inégalités globales. Et donc, ça veut dire une chose, c'est que ce n'est pas vous qui avez mal compris, c'est peut-être qu'on s'est mal exprimé et que le travail d'information sur les inégalités, il est en quelque sorte perpétuel. Et nous, Observatoire des inégalités, on se rend bien compte comment il est difficile parfois d'exprimer et de faire passer certaines idées, parce que vous avez compris l'inverse de ce que nous on a dit. Et ça, dans TAC, il faut continuer à faire ce type de débat, et puis toujours se mettre à la disposition du public, et expliquer, toujours continuer ces formes d'explication. Pour la petite histoire, nous on a été sollicité par une enseignante qui nous disait, moi dans ma classe, je travaille avec des jeunes, on parle des catégories populaires. Ben pour les jeunes, les catégories populaires, c'est des gens qui sont connus. Ce n'est pas des ouvriers employés, c'est des gens qui sont connus. Ben oui, mais quand on produit de l'information et de l'information économique et sociale ou sur les inégalités, il faut avoir en tête ce genre de questionnement-là pour sortir d'un débat entre personnes qui sont convaincues que les inégalités explosent, etc., et essayer d'expliquer des choses. Et il y a une deuxième remarque qui me semble très juste, qui a été faite sur est-ce qu'à force de parler des inégalités, vous risquez pas un phénomène de reproduction? Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça. C'est-à-dire que, par rapport aux jeunes notamment, le discours sur espèce de montée implacable des inégalités sous forme d'une espèce de mécanique peut être tout à fait contre-productif et générateur d'une espèce d'auto-justification de personnes qui se disent si j'en suis là, j'y peux rien, c'est le système, et d'intériorisation des inégalités. Donc il y a un double travail à faire, qui est de dire, d'une part, les inégalités sont importantes et il faut les dénoncer, mais en même temps de dire, attention, ça ne doit pas vous amener à intérioriser les choses. Et par exemple, dans la réussite scolaire, on sait très bien qu'il y a à la fois des facteurs réels objectifs, le fait d'avoir des parents qui lisent, notamment, qui connaissent les codes de l'école, qui peuvent les aider à faire leurs devoirs, mais aussi des facteurs symboliques, c'est-à-dire le fait de se sentir légitime d'aller vers telle ou telle voie. Nous, on se lance, par exemple, l'Observatoire des inégalités pour l'an prochain dans un grand programme jeune, où on va essayer d'adopter un peu notre discours, mais aussi on va traiter cette question-là de l'intériorisation des inégalités.
Gwenaëlle Calvès, sur la question, on aurait dû titrer le débat « Quelle équité voulons-nous » ou qu'est-ce qu'on peut critiquer aussi sur le concept d'équité ? Non, moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Louis pour abonder dans son sens, parce que ça me frappe aussi beaucoup quand je vois mes étudiants, par exemple en banlieue parisienne, à Cergy-Pontoise, ils ont le sentiment d'une société complètement verrouillée. Pour eux, tu as parlé de code, il faut des codes, ils n'arriveront jamais à rien. Il y a un discours qui est très décourageant, très fataliste, très plombant, qui circule actuellement dans la société française. Mais moi, je voudrais dire que les journalistes y contribuent beaucoup. Parce que, bon, comme mon voisin est journaliste, j'en profite pour le tacler un peu. Non, mais il y a un vrai problème. J'ai été frappée pour la couverture des quotas. Vous avez vu qu'on a instauré un quota de femmes de 40% dans les conseils d'administration. Et les journalistes, j'ai vu à plusieurs reprises cette formule, il a été décidé d'ouvrir l'accès aux femmes au conseil d'administration. Mais comment ça? Mais les femmes avaient déjà accès. Il ne faut pas exagérer. Enfin, il y a des formulations comme celle-là et qu'on trouve tout le temps. Le mieux est l'ennemi du bien ici. Quand on présente des réformes de démocratisation ou de facilitation de l'accès, et par contraste, on nous présente une société où l'accès était fermé. Il y a des effets contre-productifs vraiment très 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 grave, quoi. Sur l'égalité des chances, ensuite, pour revenir sur ce qu'avait dit mademoiselle, moi je suis un peu frappée que vous ayez compris ce que vous avez compris, parce que effectivement je crois qu'on a tous les trois mené une critique rapide bien sûr de ce concept d'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est certainement, évidemment, pas l'égalité de résultats, mais c'est même une forme d'égalité qui permet de justifier les inégalités de résultats. C'est-à-dire que si le résultat n'est pas bon, si vous avez échoué, ben vous avez eu votre chance, donc c'est votre faute. C'est un discours fondamentalement justificateur de l'inégalité, le discours de l'égalité des chances. Et puis donc pour l'équité, sur la question de l'équité, historiquement, quand ce thème a émergé, notamment dans les travaux autour de menés par la CFDT ou autour des travaux de Pierre-Rosan Vallon, c'était pour rompre avec un principe soit d'universalité des prestations au nom de l'équité, on allait mettre par exemple on allait placer sous conditions de ressources les allocations familiales, ou alors pour rompre avec un principe de gratuité du service public, typiquement l'accès à l'université. On allait faire payer les enfants de classe aisée, puis on allait maintenir la gratuité pour les autres, etc. Bon, alors, ce débat, il est un peu derrière nous, mais de toute façon, c'est juste une porte d'entrée vers un débat sur le ciblage. En tant que tel, le mot équité n'apporte pas de solution. Il ouvre une piste de réflexion sur le ciblage des prestations ou l'accès différencié aux services publics. Il ne fait rien d'autre. Camille Penny, sur les premières questions notamment, qui s'adressaient un peu plus à vous. Oui, sur la question des métiers professionnels, parce que c'est une question qui revient tout le temps. Il n'y a personne ici, évidemment, qui va défendre l'idée qu'être plombier, maçon ou boucher, c'est être un gros naze et qu'il faut les mépriser. Donc, l'idée qu'il y a, quand on parle de reproduction sociale, c'est de dire que la société, dans la manière dont elle fonctionne, fait que, comme par hasard, les plombiers, métier honorable, où les bouchers sont enfants de plombiers et de bouchers. C'est ça qui est en cause. Et par ailleurs, j'insiste sur le fait que je suis absolument convaincu par ça, parce que, évidemment, quelqu'un disait il n'y a pas de place de cadre pour tout le monde. Donc forcément, il y aura toujours des gens qui devront être employés, caissières, ou aller aider les personnes âgées à faire leur toilette. Mais justement, un des principaux leviers pour lutter contre la reproduction, c'est d'améliorer le contenu de ces métiers-là. Quand vous regardez, par exemple, tous les routiniers des services à la personne, les nounous, les assistantes maternelles, les personnes qui font le ménage chez vous, si vous en avez, etc., quand vous regardez les statistiques de l'INSEE, c'est des métiers qui sont les moins bien payés, qui sont absolument des métiers isolés. Quand vous allez aider les personnes âgées, vous n'êtes pas employé par une personne ou une structure, mais vous avez 20 employeurs individuels, vous avez une myriade d'employeurs individuels, il n'y a pas de possibilité de formation, il n'y a pas de possibilité de promotion ou de formation à l'avenir. Donc c'est évidemment améliorer le contenu et le respect de ces métiers. Et puis, juste dernière chose, je voulais revenir sur la proposition que j'avais faite, qui était justement, moi, je sais pas, j'ai jamais réfléchi à ce que c'était l'égalité pour moi, à quelle conception j'avais de l'égalité, enfin, c'est quelque chose qui m'échappe assez largement, mais si on me force à m'y réfléchir, là, en deux secondes, je dirais que pour moi, la plus grande égalité, c'est quand on fait en sorte, autant que faire se peut,
que rien ne soit jamais définitif. Et donc pour répondre sur la question des capacités d'Amartya Sen, ou pour répondre à l'interpellation sur c'est pas un drame d'être plombier, c'est pas un drame d'être tourneur-fraiseur, c'est absolument vrai. Sauf que par exemple, les tourneurs-fraiseurs, ben, comme par hasard, c'est plutôt des perdants de la mondialisation qui risquent de voir leur entreprise délocalisée et de perdre leur emploi. Donc ma proposition, c'est de faire en sorte que ce soit moins grave qu'aujourd'hui. Parce qu'ils disposent encore d'un droit à la formation qui soit intégré dans un droit qui soit couplé avec la formation initiale. Et puis pour répondre à la question, en fait, il y a une demoiselle là qui disait oui, à force de dire les enfants d'ouvriers restent ouvriers, on décourage les enfants d'ouvriers. C'est vrai, ça s'appelle l'autosélection. C'est montré depuis longtemps par les sociologues de l'éducation. C'est-à-dire qu'à niveau scolaire équivalent, les enfants d'ouvriers ont des souhaits pour l'avenir ou des souhaits d'orientation qui sont beaucoup moins élevés que les enfants de cadre ou les enfants d'enseignants. Mais simplement, ma proposition, et c'est un dernier argument pour l'universalité, si la société française dit comme les sociétés scandinaves, vous êtes un citoyen et un individu comme un autre, et l'État fait le même effort pour vous, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire qu'un enfant qui est en CP, en ZEP, a le même effort vraiment de la nation qu'un enfant qui est en CP à Neuilly-sur-Seine, c'est pas vrai. Donc si l'État, dans un dispositif universel, fait le même effort pour vous, je pense que ça peut aussi un peu diminuer cet effet d'autosélection, de dire, bah oui, c'est possible, c'est la même chose pour tout le monde, ça ne stigmatise pas une population, et je pense que ça peut aussi avoir cet effet-là. Mais vraiment, pour moi, l'égalité, c'est ça, c'est de faire en sorte que rien ne soit jamais définitif autant que possible. Ah, merci. Eh bien, écoutez, je vous propose d'en rester là et on a respecté le timing horaire et Louis va pouvoir avoir son train sans problème, donc tout est bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté si nombreux à ces débats. J'espère que vous serez aussi nombreux demain, hein, parce que ça continue demain. Voilà, et bonne fin de soirée.